Je m'appelle Koku Richmel Francilia Somisu. Je suis en classe de seconde D au complexe scolaire Gerland. Et qu'est-ce qui vous a motivé de participer à ce concours? Ce qui m'a motivée de participer à ce concours, c'est la motivation que j'ai eue. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous décrire pourquoi vous avez choisi le thème, par exemple, de parler des chats, de ton chat? Qu'est-ce qui t'a mené à parler de ce sujet-là? Ce qui m'a amené à parler de mon chat, c'est que tout d'abord, j'ai vécu l'histoire. Donc, ne voulant pas choisir les héros du plan national ou mondial, que l'histoire et que les pays nous enseignent, et mon cher pays, le Bénin, nous enseigne. Donc, j'ai choisi le chat, car on a dit que c'est une lettre imaginaire, mais selon moi, c'est une histoire que j'ai vécue, car ce n'est pas imaginaire. Mais j'ai vécu cela, donc c'est à cause de ça que j'ai écrit sur mon chat pour décrire les pouvoirs. Pour décrire sur lui les pouvoirs d'un super-héros qu'il a. D'accord. Et donc maintenant, il est fameux, alors. Et quel message est-ce que tu voudrais passer aux futurs participants de ce concours? Qu'est-ce que tu leur dirais? Le message que j'aimerais participer aux futurs participants, c'est d'être le roi des bibliothèques afin de mieux se cultiver et aussi de persévérer en toutes choses, car c'est au bout de l'effort qu'on trouve le réconfort. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as déjà des projets plus tard dans la vie? Est-ce qu'il y a des Bon. choses que tu aimerais faire déjà? Oui. Et dans la vie, j'aimerais devenir et médecine en pédiatrie. D'accord, ok. Est-ce que tu as des sœurs et frères? Oui, j'ai deux sœurs. D'accord, ils sont plus jeunes. Oui, ils sont plus jeunes. D'accord, tu as déjà de l'expérience. Je te remercie fortement. Merci, madame.